Merci à vous de votre présence et de votre... Je tiens ce soir à m'adresser à l'ensemble des Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer ou installés à l'étranger. Ce soir, pas un responsable politique qui aime la France et qui aime l'Europe ne peut se réjouir. Je veux d'abord m'adresser aux millions d'entre vous qui ont fait le choix de ma candidature et de celle de la majorité présidentielle en votant pour notre liste Besoin d'Europe. Je veux remercier nos militants, nos candidats et l'ensemble des équipes de campagne qui se sont mobilisées sans compter durant ces 100 derniers jours. Dans le monde d'aujourd'hui, imaginer être plus fort en se repliant sur soi est une illusion. Dans le monde d'aujourd'hui, l'intérêt du pays et celui des Français, c'est l'Europe. Voilà le combat de ma vie. Et voilà ce que j'ai porté sans relâche depuis le premier jour de cette campagne. La mission que le président de la République et notre majorité m'ont confiée a été un véritable honneur et une immense responsabilité. Je veux vous dire que les députés européens de la majorité présidentielle que vous avez choisis ce soir se battront chaque jour pour vous. J'aurais aimé qu'ils soient plus nombreux. Et je veux dire mon regret de ne pas voir tant de talents élus ce soir. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas su vous convaincre de nous placer en tête. Je veux vous dire que partout en Europe, je l'ai vu, nous l'avons vu au Parlement européen. Là où les populismes montent ou gouvernent leur pays, c'est le même constat. L'extrême droite menace des dizaines d'avancées concrètes européennes pour nos peuples. L'extrême droite menace des centaines d'années d'avancées pour nos droits et nos libertés. Choisir l'extrême droite, c'est choisir l'appauvrissement des Français par son incohérence économique, son inaction et ses mensonges. Choisir l'extrême droite, c'est choisir l'affaiblissement du pays, parce qu'elle ne respecte pas nos valeurs, parce qu'elle fait toujours le choix de s'en remettre à des puissances étrangères qui détestent la France et qui détestent l'Europe. Ce soir, les Français nous envoient un message clair. Ils nous demandent plus de résultats, plus de concrets. Ils nous demandent de changer plus vite leur vie. Ils ont été nombreux aussi à faire le choix du silence. Le président de la République l'a dit, leurs choix ne peuvent pas rester sans réponse. Il a décidé ce soir de leur redonner la parole et de choisir le projet qu'ils souhaitent pour leur pays. Pour moi, on ne se trompe jamais lorsque l'on donne la parole aux Français. J'ai eu l'honneur d'avoir la confiance de la majorité présidentielle ces 100 derniers jours pour mener campagne. Et je veux dire que je continuerai à me battre pour elle, pour nos idées, pour celles et ceux qui la composent. Jusqu'au 30 juin et au 7 juillet prochain, à la place qui est la mienne, je m'engagerai pour donner une majorité claire à la France et aux Français. Et ce soir, plus que jamais, je nous demande collectivement de nous engager pour que vive l'Europe, vive la République et vive la France.